Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement essayer de faire le record 100% tire-tête sur Shinonuma. Donc la carte qui est juste après Verrucht. La dernière fois on a fait Verrucht, maintenant on va faire Shinonuma. Donc on va se faire ça tranquillou. Et puis voilà, on va essayer de faire un maximum de scores. Donc bah moi je vous dis à tout de suite, allez c'est parti. Allez c'est parti les gars. Donc on commence, bien entendu, on a que dalle, on a juste un petit flingue. On a quelques zombies qui viennent ramener leurs pommes. Putain, déjà je sais pas viser. Voilà, donc du coup, on va essayer de se faire un maximum de tire-tête. Si possible, dépasser les 100, ça pourrait être pas mal. Bon, le truc c'est que j'ai pas trop le temps là, donc on va dire j'ai 1 h 30 devant moi, grand max. Bon, je pense qu'en 1 h 30, on va bien y arriver quand même. On n'est pas nul à ce point-là non plus. Bon, allez, à la limite, on va acheter ça. Et puis on va essayer de se faire un maximum de tire-tête. Voir les 100, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc déjà on commence bien. On a déjà 2 tire-têtes, les gars. Ça fait plaisir. C'est génial, tout simplement. Voilà, donc du coup, je te défonce la gueule, merci. J'ai dit quoi là? Voilà, sympathique. Voilà. Bon, au début, ils sont un peu lents. Donc c'est un peu chiant. Mais bon. Oula, j'ai failli le rater lui. Ok, alors jusque là. Mais attendez 2 secondes, oh! Allez, ta gueule. Voilà, donc jusque là, ça va. Ça commence bien, on va dire. Donc la première vague qui est finie, généralement, c'est la plus simple. Généralement. Et voilà, donc du coup, maintenant, je pense qu'on va se faire assez de points pour descendre en bas. Et puis notre objectif, ça va être essayer de prendre Mastodonte, qui va nous permettre quand même d'avoir une sécurité plutôt énorme. Voilà. Alors le problème, c'est que c'est plutôt long dès le début, donc ça rend la chose un peu chiante. Et je peux vous assurer que quand on réessaye, bah il y a un moment c'est chiant quoi. Hein, à chaque fois que les zombies mettent 2 ans à venir comme ça, c'est chiant. Donc en espérant que j'y arrive. Limite du premier coup, ça pourrait être pas mal. Donc du coup jusqu'ici on est toujours à... Ok, voilà, on est toujours bon. Voilà, donc on est à 10 sur 10. Voilà, en gros, imaginons... Donc là je suis à 11 sur 11, donc 11 victimes, 11 tirs dans la tête. Imaginons que je tire sur un zombie, je le tue, et ça me fait 12 victimes, 11 tirs dans la tête. Et bah ça veut dire que mon record sera de 11 tirs dans la tête, tout simplement. Ouais, donc en gros c'est mon maximum de tirs dans la tête en ayant un ratio positif avec les victimes de zombies. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris, mais bon c'est voilà, c'est un... Normalement ça passe quoi. Hein. Bon, en attendant là on a du 1700. Ouais, il y a peut-être moyen qu'on ouvre la première porte. Après, est-ce qu'on peut ouvrir la deuxième? Je sais pas. Déjà on va ouvrir la première, je pense que ce sera déjà pas mal. On aura un plus grand espace déjà. Ah ouais, c'est quand même 1000 points quoi la première quoi. Putain, ils se font pas chier, tu sais. J'aurais pu la mettre à 750, hein, mais non, non. Ou même voir à 500, tout simplement. Mais non, pas envie. Bon, pas très grave. De toute façon, il n'y a pas non plus extrêmement beaucoup de portes à ouvrir. Ouais, bon. On va éviter de prendre ça. Fusil à pompe aussi, on va éviter. Bon, en attendant, ils mettent un peu longtemps à venir, quand même. Oh, toujours pas mort, lui? Voilà, je préfère ça. Hop, 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 calme-toi, gros. Attends, moi j'ai rien fait. Oh, ouais, s'il commence déjà à me courir après, ça va pas le faire. Hein. Allez, meurs, Satan. Bon, bien sûr, on évite les bombes, hein, parce que les bombes nous enlèvent quand même des victimes. Donc, du coup, c'est un peu con. Voilà, ça fout le bordel, quoi. Gros, imagine. Tu pourrais tuer 4 personnes et au final, tu prends la bombe. Bah, et ces 4 personnes-là, tu les auras pas tuées, quoi. Voilà, donc bon, alors je fais très attention parce que dès le début, en fait, c'est généralement c'est au début où tu fais de la merde, quoi. Hein. Au début, par exemple, tu tires, t'as pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière, boum, tu le tues sans faire exprès, voilà, t'as le démon. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Oh là là, mais tu mets 2 ans à recharger, quoi. Voilà. Hop, je te défonce. Toujours pas fini la manche, non? Bon, on est à 24. On va s'ouvrir une porte, je pense. On va peut-être pas finir la manche. Ah bah trop tard. En attendant, on est toujours à 27, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va passer par ici parce que ici c'est un bon endroit. Donc du coup, on va essayer de voir s'il n'y a pas
Petit mastodonte. Ça pourrait être pas mal. Franchement, ça ferait plaisir, mastodonte dès le début. Allez, on y croit, on y croit. Ah putain! C'est la game, les gars. C'est la game, c'est la game, c'est obligé. C'est obligé, c'est la game. Vu comment on commence bien. Oh putain. Bon, par contre, là, au niveau sécurité, on n'est pas haut là. Hein. Oh là là là. Bon, on va essayer d'avoir les 2500. On va essayer de les avoir sans mourir quand même. Parce que si on meurt, on est dans la merde, tu vois. ouais, non, mais ouais, bah bon. Voilà quoi. Il faut voir les choses en face. Si on meurt, on est dans la merde. Putain, j'aimerais bien foutre des coups de couteau un peu là. Putain, généralement, je fous des coups de couteau de partout. Mais là, je n'ai pas le droit. Sinon, ça compte pas. Je crois que j'ai déjà réussi à faire un coup de couteau dans la tête. Mais bon, c'est assez rare quoi. Hein. Je sais plus, je crois que j'ai réussi sur BO2 ça. Un truc dans le genre. Enfin bon, hop, toi je te défonce. Je t'ai dit, toi. Oh, j'ai eu peur. Je sais pas ce que j'ai touché là, mais. Ok, jusque-là tout va bien. Bim, ta gueule. Ok, donc voilà. Bon, pour l'instant ça va. On a bientôt les 2500. Donc ça va faire plaisir. Je pense que la fin de la manche, on les a. Putain, c'est vrai qu'on meurt en deux coups là. J'avais oublié ça. Ouais, il faut vraiment mastodonte quoi. Sinon, on va jamais y arriver. Ok, donc jusque-là ça va. Oh, on est à 38 quand même, les gars, là déjà. Ça fait plaisir. Ah, mais franchement, je fais gaffe parce que. Voilà quoi, hein, j'ai suffisamment d'expérience dans le domaine pour savoir comment on fait pour tout gâcher, quoi. Bon, oh, bah voilà. On avait 2500. Heureusement qu'il y avait le. Arrête de me taper, toi. Heureusement qu'il y avait le x2. Comme ça, au moins, ça nous permet de pouvoir avoir les sous avant de finir la manche. Parce que sinon, on n'aurait pas eu les sous, hein, ça, c'est clair que non. On n'aurait pas eu les sous. Ce que je vais faire, je vais acheter ça, voilà. Puis après, on achètera elle, je pense. On va voir un peu. Ouais, 1000 points. Ça sera nickel. Toi. Ah, quoique, il y a encore des zombies, quoi. Putain, mais dis, mais. Ah ouais, non, mais bon, c'est chiant, hein, parce que. Ouais, il faut pas faire de la merde, donc du coup. On fait gaffe, quand même. Voilà, on est déjà à 44. Hop. Il y a moyen qu'on se tape un bon score dès le début, quoi. Là, ça peut faire plaisir. Franchement, si on se tape un 100, 150, même voire 200, nickel. Nickel, nickel. Au moins un 100, ça pourrait être pas mal, entre 100 et 150. Et puis, en plus, si on peut se taper le 200, franchement. Bon, par contre, les chiens, j'ai envie de dire. Je sais pas si on compte leur tir dans la tête, quoi. Parce que, enfin, c'est limite impossible à tirer dans la tête avec les chiens. Vous voyez, c'est possible. Mais, enfin, c'est trop dur, quoi. J'ai envie de dire. Ah, je sais pas, quoi. Enfin, c'est vrai que d'un côté, ça paraît normal. Mais. Vous voyez, c'est trop compliqué. C'est voire impossible. Je sais pas si je les compte, hein. Franchement, ça m'étonnerait. Non, on va dire qu'on compte pas les chiens. C'est un peu comme les bêtes. Ouais, non, c'est impossible, c'est impossible. Franchement, à moins de les viser bien en avant, c'est ouais, c'est impossible. Non, franchement, il faut pas non plus que ce soit hardcore. Donc, je pense que, voilà, les tirs, les. Merde. Ah, mais arrêtez de nous toucher. Les chiens, on ne compte pas. Putain, attendez, attendez. Putain, le problème, c'est que j'ai plus de balles de rien. Ouais, donc, les chiens, au niveau des tirs dans la tête, on va dire, voilà, c'est une manche bonus. Tu réussis les tirs dans la tête, bon, tant mieux. Si tu les réussis pas, bah, c'est pas très grave. Voilà, c'est une petite manche bonus, tout simplement. Voilà, attendez, attendez. Ce qu'on va faire. Oh, ta gueule. Ouais, il m'a saoulé. Voilà, donc hop, on récupère ça. Donc en fait, tout simplement, là, on voit qu'on a 5 tirs dans la tête d'écart par rapport aux victimes. Donc, il faut bien faire attention et garder ce 5. Hein, en gros, il y a 5 d'écart, il faut le garder, quoi. Plus tard, si vous avez 6 d'écart, pas 6 d'écart, et ben c'est perdu. Alors que si ça reste à 5, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Au niveau des chiens, si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Voilà. Hein. Moi, même moi, j'y arrive pas. Attendez, il faut bien viser. Ils sont tellement rapides et tout. Enfin, c'est limite impossible. Donc, voilà. C'est une petite manche bonus, comme j'ai dit. Hein. Et donc du coup, faut faire gaffe à ça. Et à ce niveau-là, attendez, attendez. Alors, on va faire tourner un peu les zombies. Voilà, manchiste, tout ça. On a mastodonte. On a une bonne arme. On profite, on fait tourner les zombies.
Et après, on leur tire dans la tête. Le problème, c'est qu'il y a... Oh, putain. Ah, oh, je fais n'importe quoi. Vous êtes sérieux, quoi. Oh, dis. C'est bon? 5 d'écart? Nickel. C'est qui le BG? C'est qui le BG? Trop bon, quoi. Enfin, bon. ouais, donc, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas très grave. J'ai réussi à... Wow, wow, wow. Non, attends, on va faire gaffe, on va faire gaffe, parce que, si je me rappelle bien, avec la mort instantanée, les tirs dans la tête, ils comptent pas. Donc, ouais, on va faire gaffe, parce que sinon... Ouais, donc 55-50, toujours les 5 d'écart, hein, voilà, donc faut faire attention. Voilà, hop. Putain, merde, j'ai fait de la merde. Non, c'est bon, ils sont venus là. Oh, ok, nickel. Parce que je crois, ouais, je préfère pas prendre le risque, mais si je m'en rappelle bien, les tirs dans la tête ne fonctionnent pas avec le mort instantané. Donc voilà, faut faire gaffe à ça. Hein. Ok, c'est bon jusque là. Oh, ok, c'est bon. Parce qu'il faut regarder régulièrement hein, pour savoir notre score, où il en est. Merde, 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 merde. Ouais, donc là, il faut, faut être réactif. Faut faire, faut être en même temps, faut être patient. Oh merde. Oh, vous voyez. Ouais, je suis dans les 54, on va dire. Je suis environ dans les 54. Parce que je crois que j'ai eu une... Je crois que j'ai eu une tête... Enfin, un tir dans la tête juste après, justement, avoir tué la personne en 50. Donc, voilà. Donc, je sais pas trop. Je sais pas, je dois être à 53 ou 54. Donc, record à battre, hein. Je vais pas m'arrêter là, bien entendu. Donc, moi, je vous dis à tout de suite pour essayer de battre ce record. Et puis voilà, allez, c'est parti. Alors je suis vraiment désolé mais cette map est impossible, ça fait presque 2 heures que j'y suis, pas moyen de dépasser ces manches. Oh là là, c'est un truc de grand malade. Alors déjà vous commencez déjà par commencer normalement, donc déjà ça met 2 ans à se préparer, bon comme d'hab. Hein. Généralement tu meurs assez facilement parce que t'as pas mastodonte, hein. Bon ça à la limite on s'en fout un peu. Après qu'est-ce que tu fais? T'essayes d'avoir mastodonte, tu ouvres une porte. Bon, t'as pas mastos, tu dis ok, t'ouvres une deuxième porte. T'as pas mastos, bon, on sait jamais la troisième peut-être que. Généralement la troisième, tu l'as peut-être, mais bon, généralement avant de l'avoir, tu crèves. Toi, bah ouais, tu crèves, parce que t'as pas mastodonte, t'arrives dans les manches 7, 8. Enfin bon, en essayant de tirer dans la terre, c'est dans la tête, c'est impossible de survivre. C'est vraiment chaud patate. Et après, imaginons t'arrives à avoir mastodonte, le problème c'est que, bah... Ils sont tous comme des gogoles à lever les mains, tu sais, on croirait des mecs qui sont au foot, c'est... Enfin bon, voilà quoi, c'est les mecs qui sont dans les tribunes, c'est... Allez, 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 non mais vraiment, voilà, c'est les zombies un peu cons, tu vois, ils lèvent les mains, on se demande pourquoi, enfin ils lèvent les bras, on se demande pourquoi. Du coup, ce qui fait que quand tu tires dans le tas, t'as beau tirer dans la tête, ça touche des bras, ça les tue avec les bras, hein, voilà, donc ça les tue en tirant dans les bras, du coup, bah ça compte pas. C'est une map... C'est quasi impossible de faire 100 quoi. Enfin, faut être chanceux quoi. Faut être chanceux, il faut tomber sur le mastodonte quand il faut. Et puis il faut être chanceux à pas tirer dans les bras des zombies. J'ai vraiment plus le temps, hein. Voilà. Sinon après je vais finir à.
sais pas à quelle heure. Enfin bon, vraiment, j'ai plus le temps. Et bah voilà, donc mon score est de, je suppose, 53 ou 54, je sais pas. Faut que je voie, faut que je regarde, je vous mets ça sur l'écran. Je vous mets ça sur l'écran tout de suite. Voilà, voilà. Donc du coup, bon, on va se laisser là. Hein, malheureusement, bah... du coup, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait grand-chose, du coup, c'est la merde. Ah ouais, non mais bon, je vous assure, c'est chaud patate. Hein. Ouh là là. Ah ouais, essayez de battre mon record, vous allez voir, c'est limite impossible, hein, c'est... Non, franchement, j'égalise hein, le record, hein, je l'égalise, hein, mais je vais pas plus haut, quoi. Enfin, je l'égalise vers les 50, quoi, hein, sinon je vais pas plus haut, c'est un truc de ouf, quoi. Voilà, donc, du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao. Première fois que j'arrive pas, même Nash Deren Toten, j'ai mieux réussi, quoi. Enfin bon, c'est pas très grave. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao.